Je vais passer la parole aux différents membres de l'équipe. Je vais commencer par passer la parole à notre membre de l'équipe qui s'appelle Alexandre. Donc, je vais passer la parole à Alexandre. Alexandre, je vais te passer la parole dans quelques secondes. Alors, voilà. Maintenant, c'est bon, Alexandre, tu peux parler. Parfait. Je vois que vous m'entendez. Donc, bah, comme vient de le préciser Stanley, bah, bon, je m'appelle donc Alexandre. Moi, je suis originaire des Vosges. J'ai 27 ans. Je fais partie de BizBiz depuis bah, maintenant fin février. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, j'ai voulu intégrer BizBiz. Pourquoi? Parce que bah, je travaillais dans différents marketing de réseau, plus ou moins bons. Et ce que je retenais bah, le plus souvent, c'est que les gens qui arrivaient à la fin ou tout simplement qui n'avaient pas beaucoup de réseau bah, n'avaient du mal à gagner de l'argent. Bah, c'est pourquoi en fait, je me suis tourné vers l'outil bancarisation, ce qui permettait bah, vraiment d'avoir quelque chose de gagnant-gagnant pour tous les membres. Et il n'y avait aucune prise de risque pour ceux-ci. Donc, pour ma part, moi aujourd'hui, grâce à BizBiz, bah, mon petit capital de départ, mon petit capital maintenant, il est de 2 400 euros. Donc juste avec Boursorama Banque. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, bah, c'est que bah, tout simplement, je vais refaire un tour avec les différents filleuls que j'ai pu parrainer par le biais de Boursorama, avec bah, la multibancarisation, donc ce qu'on va vous présenter là dans quelques minutes. Donc, ce qui est vraiment bien, c'est que bah, tout le monde va repasser à la caisse. Tous les membres vont repasser encore une fois à la caisse et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Il n'y a personne qui est laissé de côté, c'est quelque chose de simple et qui est vraiment duplicable. On est vraiment là pour recommander donc bah, un bon plan. On vend rien, on est juste là pour venir prendre bah, voilà, un billet. Et pour ceux qui font un peu plus les choses, et bah, à venir prendre bah, un peu plus. Donc voilà pour moi un peu ma petite histoire. Moi, ce que je dis souvent aux gens aujourd'hui, bah, c'est voilà, 2 400 euros de gain. Et bah, la question que je pose régulièrement, c'est combien de temps est-ce que vous mettez pour gagner ces fameux 2 400 euros? Et ben, la réponse, pardon, elle est souvent la même. C'est 1 ou 2 mois, ou voire plus. Donc, moi, je trouve qu'au vu du travail à accomplir, bah, donc, pour avoir un 13e ou un 14e mois, bah, ça en vaut vraiment la peine. Donc, ça vaut vraiment le coup d'être fait. Donc, bah, écoutez, moi, je vous invite à bien écouter la conférence de présentation que va vous faire aujourd'hui Stanley, et puis de prendre des notes et de poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur quelque chose d'extrêmement simple donc, et de très duplicable pour tout le monde. Donc, voilà. Écoutez, prenez des notes et puis posez toutes vos questions. On y fera un plaisir de vous répondre. Voilà pour moi. Je rends la main, Stan. Merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup pour ton témoignage. Alors par rapport à ça, je vais rebondir en fait. Donc du coup, il faut bien comprendre une chose. Là, on se présente, donc l'équipe, on se présente tous. Pour ma part, il faut savoir que je vais me présenter aussi également. Donc Stanley, j'ai actuellement 28 ans. Je suis originaire de Bordeaux actuellement. Je suis membre de l'équipe BizBiz, tout comme Alexandre, Marie, Antoine. Il faut savoir que j'ai découvert les banques en ligne aussi, ça fait 1 an et demi. J'ai parrainé à peu près une trentaine de personnes. La chose importante à retenir de tout cela, c'est que nous sommes tous et toutes des particuliers qui avons décidé de mettre leurs efforts en commun pour justement réussir à tirer parti de ce bon plan. Donc, c'est vraiment ça la chose la plus importante. Actuellement, il faut savoir que par rapport à ça, on se répartit les tâches. Par exemple, c'est moi ce soir qui fais la présentation. D'habitude, c'était Vincent. La prochaine fois, peut-être que ce sera Marie. Et c'est ça le plus important. C'est vraiment l'esprit d'équipe. On est une équipe soudée qui veut justement réussir à communiquer sur ce bon plan, ce bise. Tout à fait. Voilà. Et comme une équipe n'est pas toute seule, on est aussi avec une communauté autour de nous, notamment sur le groupe Facebook Partager BizBiz. Et je vais donner la parole à un de justement nos membres de la communauté BizBiz, au nom de Xavier, qui pourra lui aussi nous faire part de son témoignage par rapport à son expérience avec l'équipe BizBiz. Xavier, je te passe la main. Bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Xavier, j'ai 32 ans, je suis originaire de Rennes. Donc j'ai connu moi BizBiz, ben, il y a plusieurs mois de ça.
quand Stanley a commencé à me parler des banques en ligne et notamment m'a fait connaître un peu Boursorama et dernièrement Hello Bank. Entre le moment où j'ai justement eu mon compte Boursorama et maintenant, j'ai quand même pu parrainer tant bien que mal, parce que je ne suis pas un professionnel du parrainage, j'ai pu parrainer à peu près 9 personnes, donc ce qui m'a rapporté 1 350 € sur Boursorama. Donc j'étais content de moi quand même, parce que voilà, pour un petit début, je trouvais ça bien et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que moi, j'avais fait auparavant du marketing Internet et le problème, c'est que les entreprises fermaient trop vite et il fallait être tout en haut, souvent, du système pour vraiment gagner beaucoup. Et pour arriver à gagner 1 350 € dans ces systèmes-là, il fallait parrainer beaucoup, beaucoup de personnes et passer beaucoup d'heures. Alors que là, sur Boursorama, quand les personnes voient que déjà c'est une entreprise sérieuse, qu'elle est solide, qu'elle a des conditions générales et que la prime, ce n'est pas pour dans n'importe quelle condition, c'est bien expliqué. Généralement, ces personnes ont tendance à faire confiance. Et quand en plus, on leur donne les informations de manière sincère, qu'il n'y a rien de caché, et qu'en plus il y a des témoignages gagnants comme dans le groupe Facebook, ça aide aussi beaucoup à parrainer et puis à faire découvrir ce bon plan là où sincèrement tout le monde est gagnant en fait, que ce soit la personne qui vous parraine ou vous qui rentrez, qui ouvrez le compte via l'intermédiaire de votre parrain. Donc c'est ça que je tenais beaucoup moi, à donner, c'est que en fait BizBiz, c'est clair, précis et sérieux et que l'équipe est là pour vous aider, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes. Et ça, j'aime beaucoup parce que ce soit dans le travail en réel ou le travail sur Internet, j'ai souvent remarqué que beaucoup de personnes avaient des gros égos et ne pensaient qu'à eux en premier et pas aux autres. Et ça, j'aimais pas trop. Parce que d'ailleurs, je n'ai jamais rencontré chez BizBiz, que ce soit au sein de l'équipe ou au sein des membres du groupe. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ça. Voilà, c'était l'esprit d'équipe et le fait de vouloir avancer à plusieurs et tous ensemble. Voilà. Donc je rends la parole à Stanley, qui est l'animateur ce soir. Merci beaucoup pour ton témoignage, Xavier. Et comme on disait auparavant, effectivement, on est là, l'équipe, ensemble, avec les membres de la communauté, pour justement réussir ensemble. Parce que tout seul, c'est toujours plus difficile, mais en équipe, nous pouvons réussir à aller plus loin. C'est ça un petit peu notre créneau. Donc, je vais continuer. On a fait un petit peu le tour de l'équipe. Il faut savoir qu'actuellement, les autres membres de l'équipe s'occupent de la partie technique parce qu'il faut savoir une chose importante. Ce soir, nous sommes en direct de Zoom, mais nous sommes aussi, grâce notamment à Marie, en direct sur le live Facebook dans notre groupe Partagé BizBiz. Donc, effectivement, si vous faites partie de notre groupe ou si vous ferez partie de notre groupe, vous pourrez toujours avoir accès à cette visioconférence. Donc, je vais continuer. Après l'équipe, nous allons tout simplement passer à notre histoire. Comment tout a commencé, comment tout s'est fait. Alors, il faut savoir une chose importante, c'est que l'équipe BizBiz a démarré ses expériences il y a maintenant plus d'un an et demi. Actuellement, les chiffres sont les suivants. Nous avons recommandé plus de 250 personnes dans différentes banques en ligne et essentiellement Boursorama. Cela a généré un gain de plus de 35 000 euros. En plus, nous avons connu également plusieurs périodes. C'est-à-dire que cela n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des choses, des hauts, des bas, mais on a toujours été là ensemble, en équipe, pour justement réussir à trouver justement les bons résultats et à aider notre communauté. Donc, par rapport aux périodes, tout d'abord, concernant les primes de parrainage, des primes à 80 euros, 120 euros pendant 2 mois en mars-avril 2016, 130 euros pendant 2 mois en mars-avril 2015 et 150 euros qui revient environ toutes les 3-4 semaines.
C'est-à-dire que au niveau des primes de parrainage, les montants varient en fonction des périodes et des conditions de Boursorama. Concernant les conditions pour obtenir la prime de bienvenue de 80 euros, il faut savoir qu'entre le 5 février 2015 et le 1er décembre 2015, on devait verser un dépôt initial de 300 euros. Mais ensuite, du 1er décembre 2015 au 14 avril 2016, ce dépôt est passé à 10 euros. Et ensuite seulement, c'est repassé à 300 euros jusqu'à aujourd'hui. Pour terminer, depuis le 22 septembre dernier, Boursorama s'est aligné avec les autres banques en ligne car pour obtenir la prime de bienvenue de 80 euros, pour la personne qui ouvre le compte, il demande de justifier les revenus de 1000 euros minimum. Cela permet du coup d'avoir également une carte bancaire gratuite à vie, ce qui est très important. En conclusion, comme Boursorama s'est aligné sur la concurrence, nous avons ouvert notre bise à un éventail plus large au niveau des banques en ligne sur le marché. Donc, pour faire simple, dorénavant, comme les conditions de Boursorama sont identiques à celles de Hello Bank et Fortuneo, nous ne mettons plus en avant une banque, mais trois banques. Cette transition s'appelle la multibancarisation. Donc, cette multibancarisation va permettre d'optimiser les gains de chacun, points sur lesquels je reviendrai dans la partie 4, les atouts. Dès à présent, nous allons développer point par point le BISE 2.0 de la multibancarisation pour vous montrer tous les nouveaux aspects positifs. Donc, vous voyez bien, on a une histoire, un vécu, et c'est justement grâce à ça que nous pourrons vous transmettre les bonnes informations. Donc, la seconde partie, le BISE. Est-ce que tout le monde peut me faire un petit OK pour être sûr que vous arrivez toujours à suivre, tout se passe bien? Est-ce que tout le monde est OK? OK, c'est parfait. Bah, écoutez, comme tout le monde est OK, on va continuer. Donc, la partie 2, le BISE. Alors, il faut savoir une chose importante, c'est que vous allez voir que nous allons présenter plusieurs situations différentes. Donc, je vais commencer. Au niveau du foyer, vous allez voir que vous pouvez commencer avec une personne, un salaire. Le salaire qui est en dessous de 1000 euros. Le salaire qui est l'équivalent d'un SMIC. Et le salaire au-dessus d'un SMIC. Donc, ça, c'est la première situation, une personne, un salaire. Après, vous avez une deuxième situation. Donc, ce qui est important pour vous, c'est de voir en tant que filleul dans quelle situation vous serez positionné. C'est-à-dire que où vous pouvez vous situer. Donc, on va continuer. Donc, deux personnes avec un salaire ou deux salaires dont une personne qui a un salaire de moins de 1000 euros. Donc, dans ce cas-là, après, il faut savoir une chose que vous pouvez avoir effectivement, si vous regardez bien la première ligne tout en haut, vous voyez bien que vous pouvez avoir aussi une personne qui a un salaire du SMIC ou encore une personne qui a un salaire au-dessus de 1200 euros. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de vous dire effectivement dans quelle position vous situez. Ici, là, vous allez voir que ça peut être compliqué, mais le plus important, c'est de vous dire qu'on va reprendre chaque cas. Par exemple, le cas où vous avez deux personnes avec deux salaires, dont un salaire moins de 1000 euros. Donc là, vous avez une personne qui a un salaire de moins de 1000 euros et une deuxième personne qui a un salaire au SMIC. Le plus important à retenir par rapport à ça, c'est que chaque point, on va les reprendre en détail. Donc, ne vous affolez pas. Là, c'est déjà un premier tableau pour vous dire qu'il y a plusieurs situations. Une personne avec un salaire, deux personnes avec un salaire ou deux personnes avec deux salaires dont un à moins de 1000 euros. Et la dernière situation, deux personnes avec deux salaires.
Donc, n'hésitez pas, si après vous avez des questions, vous pourrez toujours demander. Donc, pensez à bien noter les choses. Donc, maintenant, nous allons aller dans la partie un petit peu plus détaillée. Donc, avec une personne, un salaire. Donc, vous êtes une personne qui a un salaire. Dans cette hypothèse-là, vous avez un salaire inférieur à 1 000 euros. Donc, par rapport à Boursorama Banque, vous n'avez pas droit de prime de bienvenue. Donc, vous n'avez pas 80 euros. Néanmoins, comme vous devenez client de Boursorama, vous aurez droit à 10 parrainages par mois, soit 1 500 euros par mois possible. Concernant Hello Bank, vous ne serez pas éligible à Hello Bank. Concernant Fortuneo, vous ne serez pas éligible. Maintenant, si vous avez l'équivalent d'un SMIC comme salaire, à ce moment-là, donc à Boursorama.com, vous aurez plus de 1 000 euros, vous serez éligible à la prime de bienvenue de 80 euros. À ce moment-là, vous aurez droit à une carte bancaire gratuite et aussi à 10 parrainages par mois et potentiellement 1 500 euros par mois. En plus de cela, vous aurez droit aussi à vous inscrire à la deuxième banque, donc Hello Bank. Vous aurez aussi une prime de bienvenue de 80 euros. Vous aurez droit à deux cartes bancaires gratuites et vous aurez droit à ce moment-là à 10 parrainages par an, soit 1 000 euros par an. Donc, dans ces cas-là, vous aurez 160 euros. Maintenant, lorsque vous avez plus de 1 200 euros de salaire, vous aurez droit à la prime de bienvenue chez Boursorama, chez Hello Bank et en plus chez Fortuneo. Donc, vous aurez droit à 240 euros à une, deux, trois, quatre bancaires gratuites. Au niveau des parrainages, toujours 10 parrainages par mois chez Boursorama, soit 1 500 euros par mois, 10 parrainages par an chez Hello Bank, soit 1 000 euros par an, et du coup, 10 parrainages par an encore chez Hello Bank avec 1 000 euros. Il faut savoir quand même qu'actuellement, la prime de parrainage de Boursorama, on est dans une période de 50 euros. Il faut savoir qu'elle a été prolongée jusqu'au 15 novembre. Et concernant Fortuneo, pourquoi nous avons marqué prime usuelle de 100 euros? Parce que tout simplement, il faut savoir que la prime actuellement est de 150 euros, mais de façon habituelle, elle est de 100 euros. Donc, voilà pourquoi nous avons mis à 100 euros la prime usuelle. Est-ce que tout le monde est OK? Dites-moi, faites-moi juste un petit OK rapide pour me dire que tout est bon. OK, écoutez, on va continuer. Donc, maintenant, alors au niveau de la situation où nous avons deux personnes avec un ou deux salaires, dont un potentiellement en dessous de 1 000 euros, nous allons reprendre les différentes situations. Donc, pour deux personnes dont une ou deux ont les salaires, alors nous allons recommencer au niveau de la première colonne. Alors, si la personne a un salaire plus petit que 1 000 euros ou un salaire ou les deux ont deux salaires plus petits que 1 000 euros, au niveau de Boursorama, ils n'auront pas droit à la prime de bienvenue parce qu'effectivement, ils ont moins de 1 000 euros. Donc, je reviendrai tout à l'heure par rapport à la question. Je l'ai vu la question, mais laissez les questions pour tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, on reviendra dessus. Il y aura un petit moment dans la présentation, on ne l'a pas marqué dans le sommaire, il y aura les questions et je reviendrai dessus. Mais effectivement, c'est une bonne question, gardez-la. Donc, par rapport à ça, par rapport à la prime de bienvenue, effectivement, vous n'aurez pas droit à la prime de bienvenue de 80 euros. Néanmoins, comme vous êtes deux, lorsque vous, client de Boursorama, vous allez parrainer la deuxième personne, vous aurez droit à la prime de parrainage de 150 euros. Donc, effectivement, vous avez droit à la prime de 150 euros pour Boursorama. Et donc, comme vous êtes deux, vous aurez 20 parrainages par mois possibles, soit 3 000 euros potentiels. Alors, comme vous êtes en dessous de 1 000 euros, effectivement, vous ne pouvez pas rentrer à Hello Bank et vous ne pouvez pas rentrer à Fortuneo. Maintenant, la deuxième situation. Alors, vous êtes au SMIC ou il y a un des deux qui est au SMIC et l'autre qui a un salaire de moins de 1 000 euros. Alors, concernant Boursorama, qu'est-ce qui se passe? Alors, celui, effectivement, qui sera éligible et donc qui aura au minimum 1 000 euros, il aura droit à sa prime de bienvenue de
80 euros. Et lorsque celui-ci va parrainer la deuxième personne, il aura droit aux 150 euros de prime de parrainage. En plus de cela, celui qui est toujours éligible à 1000 euros, il pourra effectivement ouvrir Hello Bank et gagner 80 euros. Donc, ce qui nous fait un total de 310 euros. Donc là, cette personne-là qui a eu la prime de bienvenue parce qu'elle est éligible, elle aura droit à une carte et chez Boursorama et aussi une carte chez Hello Bank. Donc, ce qui nous fait deux cartes bancaires gratuites. Au niveau des parrainages, alors comme ils sont tous les deux clients de Boursorama, ils auront droit chacun à 10 parrainages par mois, soit 20 parrainages par mois au total, soit 3000 euros par mois potentiel. Comme il n'y a qu'une seule personne qui est éligible à Hello Bank, ça fait qu'il y aura une seule personne qui pourra parrainer, soit 10 personnes parrainées par an maximum, soit 1000 euros possible. Les deux ne peuvent pas rentrer dans Fortuneo parce qu'ils ne justifient pas de 1200 euros, donc ils n'ont droit à rien à ce niveau-là. Voilà pour la deuxième situation. Maintenant, la troisième situation, nous avons toujours deux personnes, mais dont une personne qui peut justifier de plus de 1200 euros. Donc, au niveau de Boursorama, c'est toujours le même principe. Donc, vous avez un qui aura la prime de bienvenue plus la prime de parrainage. Vous avez toujours cette même personne-là qui pourra rentrer à Hello Bank, donc 80 euros. Et en plus de cela, vous allez rajouter ici-là la prime de bienvenue de Fortuneo de 80 euros. Ainsi, ça fera un total de 390 euros. Ils auront droit, du coup, à trois cartes bancaires, une carte de Boursorama, une carte d'Hello Bank, une carte de Fortuneo, donc trois cartes bancaires gratuites. Et au niveau des parrainages, c'est toujours 20 par mois pour Boursorama, soit 3000 euros, 10 parrainages par an avec Hello Bank, soit 1000 euros par an, et du coup là, 10 parrainages par an aussi avec Fortuneo, soit 1000 euros par année. Donc, nous allons passer du coup à la suite. Donc, vous avez vu ces trois cas de figure. Maintenant, nous allons avancer sur les autres cas de figure. Je vous rappelle juste qu'à la fin, il y aura aussi un petit tableau récapitulatif pour bien faire le point. Et si encore après tout cela, vous avez des questions, n'hésitez pas, posez vos questions. Nous sommes présents pour justement répondre à toutes vos questions. Il faut que vraiment, après cette visioconférence, vous puissiez partir en ayant toutes les informations pour avancer dans de bonnes conditions. Alors maintenant, dans le cadre où vous avez deux personnes et deux salaires, alors là, vous avez deux personnes qui ont tous les deux un salaire de 1000 euros, au minimum 1000 euros, entre 1000 euros et 1200 euros en tout cas. Donc, par rapport à Boursorama, alors tous les deux auront bien sûr droit à leur prime de bienvenue, donc 80 euros plus 80 euros. Étant donné qu'ils sont deux, alors le premier pourra justement faire rentrer dans Boursorama, il pourra recommander Boursorama et lui faire avoir une prime de parrainage de 150 euros. Et bien sûr, tous les deux, ils auront leur carte gratuite à vie. En plus, ils auront accès à 20 parrainages par mois, soit potentiellement 3000 euros par mois. Du côté d'Hello Bank, les deux sont éligibles à Hello Bank. Donc, 80 euros de bienvenue pour un, 80 euros de bienvenue pour le deuxième. Et comme ils vont se parrainer, donc le premier va recommander Hello Bank au second, il aura droit du coup à sa prime de parrainage de 100 euros. Donc, un total par rapport à Boursorama et Hello Bank qui se mène à et qui se monte à 570 euros. Et bien sûr, au niveau d'Hello Bank, tous les deux pourront faire leurs 10 parrainages, soit au total 20 parrainages par an dans Hello Bank, soit 2000 euros par an. Je vous rappelle que comme ils sont en dessous de 1200 euros, ils ne peuvent pas prétendre à la troisième banque qui est Fortuneo. Maintenant, vous avez un autre cas de figure, une personne qui est en dessous de 1000 euros, une personne qui est en dessous de 1200 euros, excusez-moi, d'accord, et une autre personne, la deuxième personne, qui est entre 1000 et 1200 euros. Donc, toujours le même principe avec Boursorama et Hello Bank, ce qui vous fait que prime de bienvenue de Boursorama, prime de parrainage parce que celui-ci va recommander la banque à celui-là, donc à la deuxième personne, et Hello Bank, même idée, c'est-à-dire que le premier aura la prime de bienvenue, le second aura la prime de bienvenue, et évidemment, ils vont recommander la banque l'un à l'autre, c'est-à-dire que la première personne va parrainer la seconde personne et il aura sa prime de 100 euros. Maintenant, comme il y a maintenant une personne qui est éligible à Fortuneo, donc qui gagne au minimum 1200 euros, ça fait que
il a droit, cette personne, à 80 euros de bienvenue, ce qui fait un total de 650 euros. Et avec cela, vous avez deux cartes bancaires Boursorama, deux cartes bancaires Hello Bank et une carte bancaire Fortuneo, soit cinq cartes bancaires gratuites. Par rapport au niveau des parrainages, vous aurez droit à 20 parrainages par mois dans Boursorama, soit 3000 euros possibles, 20 parrainages par année, je précise bien par année, dans Hello Bank, soit 2000 euros par année. Et pour Fortuneo, pour la personne qui est éligible, donc la personne, je vous rappelle, qui a 1200 euros minimum par mois, elle pourra faire 10 parrainages par an, soit 1000 euros par an. Et maintenant, voici la deuxième situation. Vous avez deux personnes et chaque personne est au minimum à 1200 euros. Donc, évidemment, bah, les deux, ils vont faire le même processus, c'est-à-dire que Boursorama, bienvenue, prime de bienvenue 80 euros, prime de bienvenue 80 euros, parrainage, donc 150 euros en plus, et le banque, idem, 80 euros de bienvenue, 80 euros de bienvenue, 100 euros de parrainage. Et maintenant, comme ils sont deux dans Fortuneo, ça fait que 80 euros de bienvenue de Fortuneo, 80 euros de bienvenue Fortuneo, et le parrainage encore en plus. Ce qui fait qu'il y a quand même une différence là de 650 euros à 830 euros parce que vous avez en plus la prime de parrainage ainsi que la prime de bienvenue de la seconde personne qui, lui, est aussi éligible à Fortuneo. Dans ces cas-là, vous avez deux cartes bancaires Boursorama, deux cartes bancaires Hello Bank, deux cartes bancaires Fortuneo. Ça vous fait un total de 6 cartes bancaires. Et donc, pour terminer, au niveau des parrainages, ça vous fait 20 parrainages par mois Boursorama, soit 3000 euros par mois, 20 parrainages par année chez Hello Bank, soit 2000 euros par an, et 20 parrainages pour terminer chez Fortuneo, qui vous fait 2000 euros par année. Alors, j'espère que vous avez pris des notes et que si après, vous avez encore des questions par rapport à tout ça, je reviendrai. C'est normal. Si c'est la première fois que vous êtes là, c'est normal que vous ayez des questions. Donc, pensez à bien noter vos questions pour les poser à la pause. Alors maintenant, nous allons enchaîner la troisième partie, les conditions justement pour participer à ce biz. Alors, au niveau des conditions, vous allez voir que vous me posiez la question tout à l'heure, ben là, vous aurez justement votre réponse. Alors, vous avez tout d'abord Boursorama Banque, la filiale de la Société Générale. Alors, les conditions, c'est les suivantes. Au niveau du revenu. Alors, je m'explique. C'est écrit revenu ou mouvement. Je vais vous expliquer tout d'abord comment, en général, les personnes qui veulent devenir clients chez différentes banques en ligne font. Et il y a aussi pour les personnes qui n'ont pas ces revenus-là, une petite astuce, je vous dirais, une procédure prévue par les banques en ligne pour leur permettre quand même d'accéder aux banques en ligne. Donc, je vais commencer par rapport à la procédure classique. Donc, il faut, lorsque vous êtes à Boursorama, justifier de 1000 euros net par mois. Le versement initial est de 300 euros. Les documents justificatifs. Alors, vous avez besoin de justificatif d'identité, un justificatif de domicile, un justificatif de revenu, un RIB et une signature manuscrite. Au niveau des délais d'ouverture de compte, vous avez entre 15 à 16 jours. Et après, évidemment, comme ce sont des banques françaises, vous avez un numéro gratuit de fixe que vous pouvez appeler. Et il faut savoir qu'actuellement, la date de l'offre, elle est du 13 juillet au 15 novembre. Maintenant, passons à la seconde banque, Hello Bank, la filiale de la BNP Paribas. Les conditions sont les suivantes au niveau du revenu. 1000 euros net par mois également. Le versement initial est identique, 300 euros. Les documents justificatifs sont les mêmes. Justificatif d'identité, justificatif de domicile, justificatif de revenu, le RIB, la signature manuscrite. Au niveau des délais d'ouverture de compte, par contre, c'est de 3 à 4 semaines. Il faut savoir que vous avez aussi un numéro où vous pouvez effectivement les contacter. Et en plus de cela, l'offre se termine jusqu'au 31 décembre. Maintenant, la troisième banque, Fortuneo, la filiale du Crédit Mutuel Arkéa. Au niveau des conditions de revenus, il faut avoir donc justifié de 1200 euros net par mois. Le versement initial est de 300 euros. Les documents justificatifs sont les mêmes, justificatif d'identité, de domicile, de revenus, le RIB et la signature manuscrite. Au niveau des délais, ils sont de 3 à 4 semaines. Le numéro de téléphone est bien sûr un numéro fixe,
de France métropolitaine. Et au niveau de l'offre, c'est du 1er septembre au 31 octobre. Alors maintenant, je vais vous expliquer au niveau des conditions, notamment où on doit justifier de revenus. Je vous ai parlé de la procédure classique, c'est-à-dire Boursorama 1000 euros net par mois, Hello Bank 1000 euros net par mois et Fortuneo 1200 euros net par mois. Il faut savoir qu'il y a une procédure particulière pour certaines personnes qui ne peuvent pas justifier de ces montants. Effectivement, il faut savoir que vous pouvez, par exemple, faire un dépôt pour Boursorama de 2500 euros. Pour Hello Bank, vous pouvez faire un dépôt de 5000 euros. Et pour Fortuneo, vous pouvez faire un dépôt de 5000 euros. Alors, il faut savoir une chose très importante. Premier petit point hyper important, c'est que lorsque vous faites un dépôt, cet argent-là, après, vous pouvez le récupérer à tout moment. Pourquoi ? Parce que c'est votre argent. Vous disposez librement de votre argent. Par conséquent, lorsque vous aurez déposé l'argent sur votre compte, vous pourrez le retirer à tout moment parce que c'est votre argent tout simplement. C'est une première chose. Une deuxième chose quand même qu'il faut bien préciser, c'est que pour Boursorama, par exemple, vous n'avez pas l'obligation de faire le dépôt de 2500 euros. Effectivement, il faut encore le dire, récemment, j'ai eu un de mes partenaires qui n'était pas éligible à l'ouverture de compte par rapport à Boursorama, mais effectivement, il n'a pas droit à la prime de bienvenue. Ça, il faut bien le savoir. Il n'a pas droit à la prime de bienvenue, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Néanmoins, pour ouvrir son compte, il suffit qu'il fasse un versement initial de 300 euros. C'est une petite précision qu'il faut bien comprendre parce que ça pourrait porter à confusion au niveau du dépôt. Votre intérêt. Donc, je dis bien votre intérêt. Pourquoi, effectivement, vous allez rentrer dans la multibancarisation? Parce que tout à l'heure, vous avez posé la question de pourquoi finalement plusieurs banques. Bah, là, vous aurez votre réponse. Alors, il faut savoir une chose importante. Avec cette nouvelle vague de la multibancarisation, nous proposons aux personnes concernées de gagner plus d'argent, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, et par là même de vous faire gagner également plus d'argent. Le principe est simple. Vos amis démarrent avec Boursorama pour leur montrer que tout se passe dans de bonnes conditions. Et ensuite, ils sont rassurés et continuent sur les autres banques. Ce qu'il faut comprendre pour vous, c'est qu'avec moins de personnes dans votre entourage, vous pouvez gagner plus d'argent. Donc, je vais vous donner un exemple concret, parce que là, nous parlons de façon concrète. Exemple, j'ai fait deux personnes en une journée, cette semaine, qui démarrent Boursorama et Hello Bank. Donc, j'ai gagné 2 fois 150 euros, donc du coup, 2 fois la prime de parrainage de Boursorama, donc 2 fois 150 euros, plus 2 fois 100 euros, donc 2 fois la prime de Hello Bank au niveau de la prime de parrainage. Donc, 2 primes de parrainage de Boursorama plus 2 primes de parrainage Hello Bank, ce qui fait 2 fois 150 euros plus 2 fois 100 euros, ce qui nous fait un total de 500 euros en une journée. Conclusion, vous pouvez faire la même chose sur 5 mois avec 2 personnes par mois autour de vous. Donc, 5 mois avec 2 personnes par mois autour de vous. Donc, ça veut dire que chaque mois, vous avez uniquement 2 personnes et pendant 5 mois. Ça vous permettra de gagner 500 euros par mois. Maintenant, la dernière chose cruciale à comprendre pour vous, c'est qu'en ouvrant vos comptes, vous pouvez proposer autour de vous à des personnes de gagner 160 euros jusqu'à 830 euros selon leur situation. Donc, la chose finalement qui est importante, c'est aussi ça, la multibancarisation. C'est que c'est un bon plan que vous avez partagé à plusieurs personnes. Comme ça, vous allez gagner de l'argent. Mais aussi, la chose la plus importante, vous allez faire d'autres personnes gagner de l'argent. Et ceci, de 160 euros à 830 euros selon leur situation. Donc, revoyons cela en détail. Donc là, vous avez déjà un tableau récapitulatif des primes filleul et para. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez ? Tout simplement, vous avez, comme vous le voyez, par rapport au tableau, vous avez, dans cette partie-là, que vous voyez tout en haut à gauche, donc le foyer, un salaire, une personne, le salaire est moins de 1000 euros, donc là, en tant que parrain, vous allez gagner 150 euros. Je précise toujours que le filleul pourra faire ses 10 parrainages par Boursorama, 10 parrainages par mois. Après, vous avez un salaire
entre 1 000 euros et 1 200 euros, donc soit un SMIC. Vous allez, en tant que parrain, avoir 250 euros, c'est-à-dire 100 euros au niveau des lots banques et 150 euros au niveau de Boursorama. Votre filleul, il aura droit à 160 euros plus 2 cartes bancaires. Et bien sûr, 10 parrainages par mois des lots banques et 10 parrainages par an. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. C'est bien 10 parrainages par an des lots banques et 10 parrainages par mois de Boursorama. Bon, ben, j'espère quand même que vous suivez un petit peu, que ça vous a réveillé du coup. Maintenant, pour terminer, alors au niveau du salaire, alors là, vous avez un salaire de 1 200 euros. Donc, vous aurez droit à 240 euros plus 3 cartes bancaires. Vous aurez droit en plus de 10 parrainages par mois chez Boursorama et vous aurez droit à 10 parrainages par année chez Hello Bank et 10 parrainages par année chez Fortuneo. Et vous, en tant que parrain, vous aurez droit à 350 euros. Maintenant, au niveau du foyer, vous avez deux personnes avec un ou deux salaires, dont un salaire à moins de 1 000 euros. Donc, le filleul aura droit à 150 euros, plus bien sûr l'accès au parrainage. Vous aurez droit à 20 parrainages par mois chez Boursorama. 150 euros en tant que parrain. Maintenant, dans la case où justement vous aurez le SMIC et une personne qui ne sera pas au SMIC, donc vous aurez droit à 310 euros plus 2 cartes bancaires. Bien sûr, vous aurez droit à vos 20 parrainages par mois de Boursorama et vos 10 parrainages par année chez Hello Bank, soit 250 euros chez le parrain. Maintenant, si vous avez au niveau du salaire une personne qui a 1 200 euros et une autre personne qui est plus petit que 1 000 euros ou plus grand que 1 200 euros, vous aurez droit à, en tant que filleul, à 390 euros plus 3 cartes bancaires. Évidemment, 20 parrainages par mois chez Boursorama. Vous aurez droit à 10 parrainages chez Hello Bank et 10 parrainages chez Fortuneo par an. Et le parrain aura droit à 350 euros. Maintenant, si vous êtes deux personnes avec deux salaires, vous aurez droit, si vous avez effectivement au niveau du SMIC, vous aurez droit à 510 euros plus 4 cartes bancaires. Évidemment, 20 parrainages par mois chez Boursorama et 20 parrainages par an chez Hello Bank, soit 250 euros pour le parrain. Maintenant, si vous avez une personne qui est au SMIC plus une personne qui est au-dessus de 1 200 euros, vous aurez droit à 650 euros plus 5 cartes bancaires et vous aurez droit évidemment à l'accès au parrainage avec 20 parrainages par mois chez Boursorama, 20 parrainages par année chez Hello Bank et 10 parrainages par année chez Fortuneo. Et le parrain aura droit à 350 euros. Maintenant, si vous êtes deux, avoir tous les deux un salaire au moins à 1 200 euros, vous aurez droit à 830 euros plus 6 cartes bancaires. Évidemment, l'accès à la recommandation, au parrainage, soit 20 parrainages par mois chez Boursorama, 20 parrainages par an chez Hello Bank et 20 parrainages par an chez Fortuneo. Et vous, en tant que parrain, vous aurez droit à 350 euros. Alors, après cela, on aurait la partie 5 pour continuer la partie démarrage. Alors, si vous souhaitez vous lancer, revenez vers la personne qui vous a invité à cette conférence. Si vous venez par le biais du site, merci de revenir et de remplir le formulaire à cette adresse. Donc, voici l'adresse. Ça serait bien si il y a un membre de l'équipe qui pouvait remettre l'adresse, s'il vous plaît. http://bizbiz.fr/inscription/ et de mettre un mot de passe conférence. Et n'oubliez pas de vous faire accompagner et conseiller pour devenir vous-même un parraineur hors pair. Alors, en principe, il faut savoir une chose. La dernière fois, nous avons innové et nous avions fait une partie formation. Cette fois-ci, je vais innover. Je vais vous faire une petite partie, pas question-réponse, mais petite partie, en fait, petit jeu par rapport aux situations. Parce que effectivement, vous avez vu qu'il y a beaucoup de situations et je voudrais vous faire quelques questions rapides pour voir si vous avez bien compris. Donc, nous allons revenir sur la partie, justement, par rapport… Alors, je vais vous trouver la partie, comme ça, au moins, on est d'accord
sur qui gagne quoi. Parce que du coup, c'est quand même important de savoir ce qu'il en est. Donc, j'ai une question pour vous. Alors, on est dans la situation, une personne, un salaire. Je voudrais savoir si, par exemple, je suis tout seul et que je touche 1200 euros, j'aurai droit à gagner combien d'argent? Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question, s'il vous plaît? Je suis tout seul, je gagne 1450 euros, j'ai droit à quoi? Exactement, vous avez tout compris. On est dans cette situation-là. Je gagne 1450 euros, donc je gagne plus de 1200 euros. J'ai droit aux trois primes de bienvenue, 80 plus 80 plus 80, 240 euros. Et en plus, des trois cartes bancaires gratuites. Et bien sûr, le bonus non négligeable. Si je veux en parler autour de moi, j'ai droit à 10 parrainages par mois chez Boursorama, 10 parrainages par an chez Hello Bank et 10 parrainages par an chez Fortuneo. Alors, on continue ce petit jeu de questions rapides. Alors maintenant, nous sommes deux personnes. Écoutez-moi bien. Nous sommes deux personnes. Je gagne 1450 euros et ma femme, elle gagne 950 euros. Nous avons droit à quoi? Je gagne, je rappelle, 1450 euros et ma femme, elle gagne 950 euros. Exactement, c'est ça. Vous avez trouvé la bonne réponse. Je gagne 390 euros avec trois cartes bancaires gratuites, 20 parrainages par mois chez Boursorama, 10 parrainages par an chez Hello Bank et 10 parrainages par an chez Fortuneo. Bah écoutez, vous voyez, on a fait quelques cas concrets. Allez, soyons fous, finissons par un dernier petit cas avec deux personnes de salaire. Donc, je suis dans une super position. Vous savez quoi? Je gagne 2500 euros net par mois. Ma femme, elle est cadre chez une grande entreprise, elle gagne 8500 euros par mois. Donc, nous allons gagner quoi avec Boursorama? Exactement. Écoutez, vous avez tout compris. Effectivement, nous sommes deux. Nous avons tous les deux des salaires au-dessus de 1200 euros. Et donc, nous allons gagner 830 euros, 6 cartes bancaires gratuites. Nous aurons droit à parler autour de nous à 20 personnes par mois chez Boursorama, donc 20 parrainages par mois, soit 3000 euros par mois possible. Nous aurons droit, grâce à Hello Bank, effectivement, à 20 parrainages par an, soit 2000 euros par an. Et nous aurons droit également, pour terminer, à 20 parrainages par an chez Fortuneo. Voilà. Bah écoutez, vous avez réussi à faire cette petite réponse. Alors, qu'est-ce que je vois écrit? Il est écrit quoi? Oui, avec Boursorama 310 euros, tu as raison, Alain. Alors, je vous rappelle que j'ai dit là, vous parlez de où? De tout à l'heure? Peut-être? Non, je crois pas. Parce que là, effectivement, on a dit qu'on était dans une situation à l'heure actuelle. Alain, vous avez dit avec Boursorama. Vous parlez de quoi exactement? Vous pouvez me repréciser, s'il vous plaît, Alain, du coup? Parce que je pense que l'erreur est humaine. Et si je me suis trompé, je suis le premier à le reconnaître. Vous avez dit avec Boursorama. Dernier cas de jeu, dernier cas de figure. Le dernier cas de figure, alors, je le reprécise. J'ai dit que, alors, je sais plus exactement. En tout cas, dans les deux cas de figure, on était au-dessus de 1200 euros. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Est-ce que tout le monde peut me dire, OK, si on est bien au-dessus de 1200 euros? Ok. Donc, d'accord, je comprends. Donc, je vais bien repréciser. Alors, quand vous êtes dans une situation d'un couple, donc moi qui gagne par exemple 4500 euros et ma compagne qui gagne par exemple 8500 euros, tous les deux, en utilisant justement, comme je te disais, Alain, la multibancarisation, donc Boursorama, Hello Bank et Fortuneo, effectivement, vous aurez droit à 830 euros. Bah, excusez-moi si j'ai fait une erreur de langage, je vais repréciser. Donc, c'était dans le cadre où effectivement, vous allez utiliser Boursorama, Hello Bank et Fortuneo. Et effectivement, vous êtes dans ce cadre-là avec 830 euros, 6 cartes bancaires gratuites, 20 parrainages par mois chez Boursorama, 20 parrainages par an chez Hello Bank et 20 parrainages par an chez Fortuneo. Bah, écoutez, moi, ça m'a fait entièrement plaisir de faire ce petit jeu avec vous à la fin. C'était vraiment pas du tout prévu, mais ça a été très sympathique. Donc, je reviens dessus sur si vous souhaitez vous lancer, revenez
vers la personne qui vous a invité à cette conférence. Si vous venez par le biais du site, merci de revenir et de remplir le formulaire à cette adresse.